parce que je sais que vous faites un travail exceptionnel en appui en salle de classe. Et puis, je n'ai pas manqué de souligner la contribution des éducatrices et des éducateurs du CPO. On a le privilège de changer un peu le monde parce qu'on travaille avec du monde. C'est une approche moderne, c'est positif, c'est moins menaçant, qui constitue à développer l'intelligence émotionnelle autant chez les jeunes que chez les adultes. On appelle cela une exploitation multisensorielle. Fait que ça, c'est ma théorie, OK? Alors, je vais vous montrer en pratique qu'est-ce que c'est. Avec, ensemble, morbidité, ça vient du latin, morbidus et malsain, du latin classique morbus, maladie. Fait qu'en médecine, c'est coexistant chez un même patient de deux ou plusieurs troubles ou maladies. C'est ça de la comorbidité. C'est comme des ancrages, finalement. Puis on utilise beaucoup la main aussi. Moi, je sais que vous, sans doute que vous faites ça aussi. Là. Quand l'enfant comprend vraiment qu'une main, c'est simple, c'est vraiment des ancrages qui vont l'aider dans la numération à faire des additions. Donc, demander à l'enfant de surveiller les mots qui sont importants. C'est ça. Faire des apports sur tout, c'est tellement personnel, c'est tellement excitant. Après ça, on peut faire des diagrammes. Là. Lancez-vous dans les diagrammes de couleurs. Et je choisis une partie ici qu'on va mettre bleue. Et ça, ça représente un quart des gâteaux qui restent de la vanille. Alors, j'écris, c'est combien ça? Combien vaut chaque partie? 7. D'accord? 6. Et pourquoi c'est mieux? Parce que ici, c'est avec votre bouche. Et les questions, qu'est-ce que vous faites? C'est tout simplement vous ramener. Ben, imaginez, vous avez un fichier, soit notre bout, soit pour un point, vous les ramenez. Et il suffit juste de cliquer sur une icône, vous y cliquez. Partenariat, donc on voit la collaboration avec les individus, les différents partenaires dans la communauté. On parle aussi de choix, d'équité, de reconnaissance, diversité. Ah oui, puis il y en a qui s'améliorent oui. avec le temps. Oui, oui. Puis ils sont bons pour le dire aux autres, tu n'as pas oui. fait ça. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, ça s'en vient, c'est toutes des choses. Oui. Moi, je vais vous présenter en histoire de cette série-là. C'est une série du cycle moyen qui s'appelle Tour à Tour. Puis, c'est sur la lecture réciproque, mais c'est sur des thèmes scientifiques ou des thèmes qui ont rapport, comme ça, c'est la géographie. C'est un thème qu'on étudie en géographie. Puis ça, c'est un thème qu'on étudie en histoire. Puis c'est le rapport mensuel okay. du mois de novembre. Donc là, notre rapport mensuel du mois de novembre, c'est ce qui va apparaître là. On a déjà envoyé ça. C'est ça. OK. Donc ça, c'est là, ça nous permet de donner des informations sur différentes choses. OK. On met nos courriels aussi. OK. Des photos. On était à faire une activité avec les élèves. Bien, il y a une photo. OK. C'est qui s'occupe de ça? C'est tous les profs. C'est parce qu'on l'a mis sur Google Docs. OK. Donc là, les profs sont responsables d'aller écrire leur partie. On a attendu la parole d'un gars compétent.